Ça, c'est la plage à Valcomo. Ça, c'est pas croyable, mais dans une coupe de mois, ça sera plein de mort. Je vous montrerai bien plus loin que ça, mais... Il va, puis ça fait du tapage. Je vous aurais montré le centre, ici. Quand j'étais jeune, ça dansait, puis encore à cette heure, ça danse, puis... Ça chicanait pareil, parce que par ici, c'était une coutume. Il n'y avait pas grand noce ou grand soirée qui ne finissait pas avec une chicane. Puis, ça m'a inspiré cette histoire ici à propos d'un gars qui chicanait de même, puis il est venu à Sébon, qui l'ont manière comme pris, trouver un coach pour l'enseigner à boxer. Ils ont dit, faut que tu fasses comme un premier combat, tu sais, pour qu'on analyse comment ce que tu es, puis tu sais, qu'est-ce que c'est que tu fais. Fait que lui, il a accepté ça. Fait qu'ils ont été. Ça a battu le premier rang, j'ai dit, ça fait taper la gueule. C'est pas habitué, eux autres, c'est tout comme appris dans, comme dans les livres. Ça fait que. Mais là, les coachs de boxe, ils sont comme ça, ils t'encouragent pareil. Tu croirais que t'es le meilleur tout le temps. Fait qu'il a dit, hey, tu bouges bien, puis tout ça, puis l'autre te fasse pas, puis tout ça, mais l'autre, on sait. Peut-être que 3-4 tapes sur la gueule à tous les 30 secondes, pour eux autres, c'est pas tapé, mais toujours. Tu sais, lui, il a pensé, c'est comme le langage eux autres. Fait, il a tapé la deuxième rampe, puis là, il s'est fait taper un petit peu plus, la babine enflée, a battu le nez cassé, puis tu sais, là, ça, mais il saignait pas encore. Fait que l'autre, il a dit, hey, tu bouges bien, puis t'es vite, puis il y a de la misère à te taper, puis tout ça, puis tu es bon, puis il touche quasiment pas, puis hey. Il a tapé trois serments quand ça sorti de là, fondu en haut de l'œil, le nez cassé, ça saignait de partout, la babine comme 3 pouces d'épaisse. L'autre, il a dit, hey, tu bouges bien, il tape pas, ben, il a dit, écoute une chose, mon chum. Si qu'il me tape pas, check l'arbitre, parce qu'il y a quelqu'un qui me fasse. On se verra demain.